Rida. Mon enfant, es-tu heureux? Oui, maman, je suis très heureuse. Ok alors. Comment se comporte Daniel avec vous? Le comportement de Daniel. Mère, après avoir trouvé l'amour de Daniel, je me suis donnée à lui ces quelques jours. Sinon, j'ai toujours pensé que je ne pourrais jamais oublier Saïm. Tout cela grâce à Dieu. Rida. C'est ainsi que Dieu a fait la relation entre mari et femme. Qu'ils finissent par s'aimer. Et il a spécifiquement rendu le cœur des femmes doux pour son mari. C'est pourquoi en une seule journée, elle oublie tous les chagrins du monde et devient celle de son mari. En effet, l'amour de Daniel a fait de moi son. Mais je ne pourrai jamais oublier l'amour de Saïm et son chagrin. Mon enfant. Dieu a fixé l'heure de la mort de mon enfant saint. Il avait tellement de vie. Tu continues d'essayer d'oublier le chagrin de saint. Mère, j'y crois. La vie des êtres humains est déjà écrite. Il ne vit que ce qui lui est écrit. Mais Saïm n'est pas mort de sa propre mort. Il a été tué, il a été assassiné. Je ne pardonnerai jamais à ces assassins, ni dans ce monde ni dans l'autre. Dans chacune de mes prières, je prie pour le châtiment et le tourment des assassins de Saïm. Mon enfant. Dieu donne la meilleure récompense à ceux qui sont patients. C'est la récompense. Je veux que l'on soit responsable de chaque goutte de le sang injuste de Saïm. En lui ôtant la vie, en le rendant impuissant. Quiconque a été impliqué dans sa torture, il ne trouvera jamais le bonheur. Jamais. Mère, je continuerai à prier Dieu toute ma vie. Que les assassins de Saïm devraient mourir impuissants et sans aucune pitié. Je ne peux pas non plus oublier le chagrin de sa mort. Et je ne peux pas pardonner au tueur. Jamais. Je ne pourrai jamais oublier maman. Assez. Ça suffit, mon enfant. Tu verras. Dieu se vengera de la mort de saint. Et il punira durement ces gens qui sont responsables de sa mort. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Daniel, toi, as-tu besoin de quelque chose? Non, en fait. Je venais juste te dire. J'ai reçu un appel de l'hôpital, il y a un cas d'urgence. Urgence. Fils, as-tu besoin de quelque chose? Non, tante, je dois juste y aller. Je lui ai dit, je dois aller à l'hôpital. Mon fils, la nourriture est prête, après avoir mangé, vous pouvez y aller tous les deux. Pas de tante dont on n'aura pas besoin. Rida restera avec toi aujourd'hui. Je viendrai demain la chercher. Très bien. Comme vous le souhaitez. Au revoir. Mère. Mère.
Je ne peux pas non plus oublier le chagrin de sa mort. Et je ne peux pas pardonner au tueur. Jamais. Je ne pourrai jamais oublier. Ce qui s'est passé ? Tu as une balle. Laisse-moi appeler une ambulance. Ne t'inquiète pas, laisse-moi appeler une ambulance. Rafia, je suis. Qu'est-ce que ? Je disais que même à l'école qui pleure, il y a, ne pleure pas. Je viens maintenant. J'arrive. Allons-y. Prends courage, lève-toi. Sois courageux, lève-toi. Ma mère est aussi très malade. Je dois y aller aussi. Désolé mon ami, la police arrive. Ils t'emmèneront d'ici. Ne pars pas. Tu viens de te réveiller. Réveillez-vous, ouvre tes yeux. Ne pars pas. Ils arrivent, ils t'emmèneront. Je vais plutôt appeler une ambulance. Je suis désolé. Ma mère a besoin de moi. Je suis vraiment désolé mon ami. Ne pars pas. Je suis vraiment désolé. Une ambulance viendra, ne vous inquiétez pas. Réveille-toi juste, réveillez-vous. C'est la récompense, maman. Je veux que l'on soit responsable de chaque goutte de le sang injuste de Sayin, en lui ôtant la vie, en le rendant impuissant. Quiconque est impliqué dans la torture, il n'aura jamais le bonheur. Jamais. Jamishika! L'album de ton mariage. Mère, il a été placé ici. Et Daniel était assis ici. Peut-être qu'il regardait cet album. Rida. Et s'il le regardait et s'énervait. Et à cause de ça, il est parti subitement. Mère, ni nous n'avons rien caché, ni nous leur avons menti. Pourquoi sera-t-il en colère et bouleversé après l'avoir regardé ? Non, mon enfant. Regardez. C'est un homme. C'est ton mari. Et aucun mari ne peut tolérer de voir sa femme avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est une question de honte et de chagrin. Qu'en tant que médecin, tu as laissé une personne mourir. En tant que médecin professionnel, si tu pouvais l'aider, peut-être qu'il ne serait pas mort si impuissant. Mais, je ne te considère pas comme responsable de la mort de Saint. Tu n'as rien fait. D'autres personnes lui ont tiré dessus. Ceux qui l'ont tué sont partis. Mais il m'a demandé de l'aide. Il est mort impuissant. À cause de moi. Comment ?
Il était vivant après avoir été abattu. Il implorait pour sa vie. J'aurais dû l'aider et oublier tout le reste. Même si ma mère était à l'hôpital, mais quand même. Rafia était avec elle. Les médecins étaient également là pour lui sauver la vie. Mais Saïm, il était seul dans la rue sans aucune aide. Il avait besoin de moi. Mais je viens de m'enfuir de là en tant que fils émotif. J'avais un devoir. Je n'avais qu'un seul devoir en tant que médecin. Je l'ai oublié. De toute façon, tout est passé maintenant. Il n'y a plus rien maintenant sauf le regret. Chagrin de la mort de Saïm me fait culpabiliser. J'ai l'impression d'être à Rida. Condamné. Daniel, tu n'es pas condamné par Rida. S'il te plaît, ne te blâme pas. C'était une volonté de Dieu que tu rencontres Rida comme ça. Tu sais, je pense. Dieu vous a envoyé dans la vie d'eux. Tante Zainab et Rida à cause de la raison. Que tu peux guérir leur souffrance. Tu dois en prendre grand soin. Dieu pardonnera ta petite erreur. Il est très gentil. Ne considère pas mon crime intentionnel comme une petite erreur. Alors qu'est-ce que tu veux, Daniel ? Je ne sais même pas ce que je veux. Daniel, écoute-moi au moins. Je suis désolé, je suis très inquiet. Je ne peux écouter personne. Pourquoi tu t'inquiètes ? Daniel viendra. Oui, mère. Il viendra. J'espère que tout va bien. Maintenant, je l'ai moi-même vu. Quand les médecins sont aux urgences, ils ne voient rien sauf les patients. C'est d'accord. Vous pouvez essayer de l'appeler après un moment. Maman, il ne décroche pas. Mon enfant, il doit être occupé en cas d'urgence. Tout ira bien. Tout ira bien. Toi, tu peux réessayer après un moment. Ok, ne t'inquiète pas. Ok, maman, tu devrais te reposer aussi. Je viendrai dans un moment. Le soleil est couché, mais Daniel ne m'a pas appelé.
Il doit être assis aux pieds de sa femme et de sa belle-mère. Mère, pourquoi t'inquiètes-tu? Frère viendra. Tu verras. Il ne viendra pas aujourd'hui. Ils vont l'arrêter. Zeynab va l'arrêter. Elle le gardera là. Mère, pourquoi la tante Zeynab l'arrêtera-t-elle? Ok, même elle l'arrête là. En quoi est-ce important? Elle est aussi comme sa mère. Quoi? Je suis sa mère. Zeynab n'est pas sa mère. Idiot. Salutations, frère. Salutations. Où est la belle-sœur? Elle n'est pas venue. Sa mère a dû l'arrêter. Elle a dû t'arrêter aussi. Alors pourquoi n'es-tu pas restée? Maman, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu comprends mal Rida et tante? Quoi? Pourquoi devrais-je mal les comprendre? Alors pourquoi tu parles comme ça? Tu es en colère pendant 2 jours. Pourquoi es-tu si changée? J'ai changé. J'ai changé ou tu as changé? Tu es avec ta femme depuis 2 jours. Tu as oublié ta mère. Et puis tu dis que je me fâche? Je les comprends mal. Tu ne comprends pas seulement mal. Mais tu inventes aussi des choses. Et il n'y a pas de remède à ça. Et, tu as vu? Avez-vous vu? Il m'a parlé si grossièrement. Et puis tu dis que je me mets facilement en colère. Je suis en colère contre lui. Ses filles et ses mères sont comme des sorcières. Ils ont fait de la magie sur mon enfant. Ils l'ont changé. Ce n'est plus mon fils. Maman, pourquoi as-tu commencé à pleurer comme une enfant? Je pense aussi, ce frère t'a parlé grossièrement. Tu n'as pas à t'inquiéter, je vais aller le gronder. J'ai changé. J'ai? Ou tu as changé? Tu es avec ta femme depuis 2 jours. Tu as oublié ta mère. Et puis tu dis que je me fâche? Je les comprends mal. Je rendrai compte de chaque goutte de sang innocent de Saïm, en le rendant impuissant et en lui prenant son amour. Quiconque a été impliqué dans sa torture, il n'aura jamais le bonheur. Jamais. Frère, c'est quoi cette folie? Tu as recommencé à fumer. J'étais stressé, c'est pourquoi. Tu es assez contrarié comme je peux le voir sur ton visage. Maintenant, dis-moi la raison derrière tout ça. Maintenant. Je viens de me rappeler pourquoi ma belle-sœur n'est pas venue avec toi. Frère, je te parle. Quel est le problème? Tu m'as l'air inquiet. En fait, je me sens très coupable. Frère, tu te sens coupable? Pourquoi? Rafia est allée s'asseoir chez Daniel. De quoi parlent ses 2 frères et sœurs? Depuis que cette fille est entrée dans nos vies, elle m'a enlevé les 2 enfants. Regarde Daniel. Il est tellement amoureux de Rida. Et Rafia. Elle n'a pas d'autre travail que de soutenir Rida tout le temps. Je dois vérifier. Ça fait trop longtemps. Tu ne sais pas. Pour Rida, à quel point je suis un criminel.
son premier amour. Son mari. Celui qui lui a enlevé tout son bonheur. Je suis lui. Lorsque nous. Le mari de Rida. Le soir de sa réception. Dans une rue déserte. Quand il souffrait impuissant. Alors il m'a appelé. Et m'a supplié de me sauver, mais je. Je l'ai laissé là tremper dans son propre sang. Je l'ai laissé là et je suis parti. En tant que médecin, j'ai fait la promesse de servir l'humanité. J'ai juré d'aider les personnes dans le besoin. Mais j'ai laissé cet homme au bord de la mort. Et s'est enfui. Si ce soir-là. Si j'avais sauvé le mari de Rida à ce moment-là, Rida ne serait pas veuve aujourd'hui. Le chemin. La façon dont elle est humiliée. La façon dont elle doit être embarrassée. Les railleries qu'elle doit écouter. J'en suis responsable. Sœur, je vais très mal. Je suis très mauvais. Tout ira bien. Tout ira bien, mon frère. Ne perds pas de force. Tout ira bien. Le sang de Saïm. Daniel est responsable de ça? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'écoute? Prends cette mère, une tasse de thé chaud. Placez-le ici. Mon enfant, que fait Daniel? Mon frère est assis sur un tapis de prière depuis hier soir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, s'il te plaît, pardonne à mon enfant. Quelle erreur a-t-il commise? Mon enfant, va voir ton frère. Ok maman, je vais vers lui. Thank you.
Tu lui as parlé ? Daniel m'a dit hier soir. Il viendra me chercher demain matin. Et maintenant c'est le soir. Il n'est pas non plus venu ni m'a informé de quoi que ce soit ? Tu l'as rappelé ? Je l'appelle depuis hier soir. Au début, il ne décrochait pas. Maintenant, son téléphone est éteint aussi. Alors, c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter. Mère. Penses-tu ? Est-il en colère contre moi à cause de ce magazine ? Je ne sais pas. C'est possible. Je ne sais pas quoi faire. Rida. Rentre chez toi. Comment puis-je y aller seule moi-même ? Je vais te quitter. Tu viendras me déposer ? Je ne pense pas que ce soit approprié, que tu devrais aller me déposer comme ça. Fille, pour l'instant, laissez ce qui est approprié ou inapproprié. Fille, je ne veux pas. Qu'il ne devrait pas y avoir de distance entre toi et Daniel, pour de petites choses. Ma gentille fille, maintenant va te préparer. Va vite. D'accord. Une dame respectée. Le petit déjeuner est prêt. Ok. J'arrive en quelque temps. D'accord, madame. Rafia, appelle ton frère pour que nous puissions manger ensemble. Ok, maman. Je suis en retard. Je dois aller à l'hôpital, j'y mangerai quelque chose. Au revoir. Je sais que maintenant, il aura faim toute la journée. Frère, arrête de manger quand il est déprimé. Eh bien, ne t'inquiète pas, maintenant tu devrais au moins prendre ton petit déjeuner. Mon fils a faim. Je ne pourrai pas faire passer un morceau dans ma gorge. Daniel, pourquoi es-tu déprimé sans raison ? Tu vas énerver encore plus Rida de cette façon. Tu as éteint ton téléphone. Où est cette absurdité ? Je pense que je ne pourrai pas lui faire face, mon ami. D'accord. Où iras-tu si tu ne lui fais pas face ? Veux-tu rester ici toute la nuit et le jour ? Que dois-je faire ? Dites-moi. Regardez. C'était une affaire entre toi et Saint. Rida ne le sait pas. Tu restes juste calme. Et que Rida soit heureuse. Je sais qu'elle ne sait pas. Mais mon ami. Mais je ne peux plus garder ce fardeau sur mon cœur. Vous savez. Tu sais, je veux lui dire tout. Et ensuite elle pourra me donner la punition qu'elle veut. Elle. Tu sais, après chaque prière, ceux qui sont responsables de la mort de Saïm, elles prient pour leur punition. Ces prières. Je veux m'en débarrasser, sinon j'explose. Très bien. Tu peux aller soulager ton cœur avec Rida. Et libère-toi de cette culpabilité. Et si elle décide de me quitter ? Alors ? Si vous avez décidé d'avouer votre crime, alors tu devrais être prêt pour la punition.